Rav Bessiata Dishmaïa, on est Maserhet Ktuvot, on est Daf Yuddalet Amudalef, et on est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e ligne. 11e ligne, Ramele, Abaye, les rabbins. Abaye, il va objecter, hein, sur ce qu'il a dit sur la Mishnah. Hein. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Mishnah? La Mishnah, elle avait dit qu'au nom de Rabbi Yoshua Ben Levi, que Rabbi Yoshua Ben Levi, il disait, dans toutes les Mishnahs qu'on a vues jusqu'à présent, il disait que la femme, on ne va pas vivre par rapport à ce qu'elle dit la femme. La femme, on la croit pas. Hein. Dans le dernier cas de la Mishnah, c'est que si jamais elle était enceinte et qu'elle dit que elle est enceinte d'un Kohen, alors, d'après Rabbi Yoshua Ben Levi, on ne la croit pas. Jusqu'à ce qu'elle emmène des preuves. Sauf si elle emmène des preuves. Si elle emmène des preuves, elle fait un test ADN et qu'on trouve chez elle, chez le bébé, le gène du Cohen, hein, alors on le croit. Si jamais elle n'a pas de preuves, ouais. Non, autrement, on a vu qu'on était les MNS, quand on a dit Betoulim. C'est une marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Elazar d'un côté et Rabbi Yoshua de l'autre. Rabbi Yoshua, toujours Marc-Méry, on ne croit pas la femme. Ouais. On ne va pas vivre par rapport à ce qu'elle dit à elle. Donc, Ramele Abaye, il objecte et il pose la question à Rabat, ou Miyama Rabbi Yoshua et Nane Menet. Quoi, vraiment Rabbi Yoshua, il a dit qu'on ne la croit pas, et pourtant, au Minou, on a une Maserhet, une Mishnah dans la Maserhet Edouyot. On a une Mishnah qui nous dit comme ça. Ouais. Et Id Rabbi Yoshua, Verabi Uda Ben Betera, Al Almanat Issa, Shei Keshera Le Keuna. C'est quoi le cas? Donc, Rabbi Yoshua et Rabbi Uda, il a témoigné que la Almanat de Issa, c'est une Almanat qui était mariée avec un homme. Cet homme-là, c'était un Kohen, et on avait un safek si ce Kohen-là, il était halal ou pas. Est-ce que c'était un Kohen qui était kasher ou pas, ouais. Est-ce que c'est un Kohen pasoul ou pas? Et qu'est-ce qu'on avait dit? Cette femme-là, on la croit, elle est née Ménet, on est chez Ikshira le Keuna. Cette femme-là, elle est Ikshira le Keuna d'après Rabbi Yoshua. Ça veut dire quoi? Que si jamais le Kohen, il était pasoul, ouais, c'était un Kohen halal, on était sûr de ça, alors... Cette femme-là, une veuve, théoriquement, elle a le droit de se marier avec un Kohen, mais une veuve qui était mariée avec un Kohen pasoul, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen maintenant. Donc, étant donné qu'on a un safek si ce Kohen il était halal ou pas, d'après Rabbi Yoshua, elle est née Ménet, que le Kohen était kasher. Enfin, Mishum safek, en tout cas, on la permet de se marier avec une Keuna. Donc, théoriquement, on la croit. Donc, si jamais elle dit qu'elle est enceinte d'un Kohen, la femme, pourquoi Rabbi Yoshua il a dit qu'elle, on ne la croit pas, que le Vlad il est kasher? Hein, que le Vlad il est Cohen. C'est bon la question ou pas? On recommande. On a une Mishnah dans New York. On a notre Mishnah dans notre Mishnah à nous. Elle nous dit une femme qui dit qu'elle est enceinte d'un Cohen, on ne la croit pas, d'après Rabbi Yoshua. Ouais. Et on a une Mishnah dans New York qui nous dit que Rabbi Yoshua, il a dit que si jamais une femme, elle était mariée avec un Cohen qui était Safek Halal, peut-être qu'il est Halal, peut-être qu'il n'est pas Halal. Alors, cette femme-là, elle est Kshira le Keuna si le mari meurt, et donc elle est veuve maintenant. Elle a le droit de se remarier avec un Kohen. Hein? Alors que si jamais il était sur halal, elle n'aurait pas eu le droit de se marier avec un Kohen. Donc, dans un cas, dans la Mishnah dans Yiddot, on la croit qu'elle était mariée avec un Kohen normal, et c'est pour ça qu'on l'a permis avec Keuna. Et dans le cas où elle était enceinte d'un homme, et elle-même, elle dit que cet homme-là, il était kasher de Keuna, etc., que c'était un Kohen comme il faut, etc., le Vlad, on ne croit pas qu'il est Kohen. Donc, pourquoi, a priori, c'est une contradiction entre les deux Mishnayot. Donc, est-ce que vraiment Rabbi Yoshua, il interdit? Rava, il répond, à Marley, il lui a répondu, Achi Ashta. Comme ça, il faut dire, hein? Est-ce que tu peux, on ne peut pas comparer les deux cas. Atam, Isha, Niset, Bodeket, Veniset. Là-bas, dans le cas du Kohen qui est Safek Halal, quand elle va se marier avec lui, elle va vérifier. Elle vérifie, elle fait son enquête, etc. Elle vérifie bien. Et donc, a priori, c'est sûr qu'il n'était pas Halal. Elle a vérifié bien comme il faut. Et c'est les autres personnes qui ont un doute, hein? Ah, par contre, dans un autre cas, nous, une femme qui a une relation hors mariage et qui est tombée enceinte de cette relation-là. Alors, Isha, Mezana, Bodeket ou Mezana, une femme, elle va voir à droite, à gauche, elle vérifie avant de voir avec qui elle va traîner. Elle ne vérifie pas, c'est juste pour avoir une relation hors mariage. Hein. Donc, je ne peux pas me dire, ce n'est pas le même cas. Donc, c'est pour ça que, d'après Rabbi Yoshua, dans le cas où la femme, elle a eu une relation hors mariage, on ne la croit pas, on ne va pas vivre par rapport à elle. Tandis que dans le cas où elle s'est mariée avec un Kohen qui était Safek Halal, alors, étant donné qu'elle vérifie avant de se marier, hein, donc historiquement, on a confiance à sa vérification, et a priori, il n'est pas halal, et donc c'est pour ça qu'on lui permet à cette femme-là de se marier avec un Kohen. Ça, c'est la réponse de Rava. Rava, il rajoute, Amar Rava,
Des Rabbi Yoshua à des Rabbi Yoshua et Kasher. Donc, il pose la question à Abaye. Abaye, il y avait une couchée entre Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dans la Maseret, Edouyot, et Rabbi Yoshua chez nous. On a répondu à ta question. Des Rabban Gamliel à des Rabban Gamliel, le Kasher. Il n'y a pas une question entre deux Mishnayot, entre Rabban Gamliel et Rabban Gamliel. Amar, Véa Katane, c'est pas. Et regarde là-bas, dans la fin de la Mishnah, dans Edouyot, il y a marqué comme ça. Amar Lehen, Rabban Gamliel. Rabban Gamliel leur a dit, Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Beteran. Kibalnu edutrem, on a reçu votre edut. On a vu que on a reçu votre edut au sujet de la Kohen Almanat Issa. Mechila. Almanat Issa. Hein? Almanat Issa, c'est une veuve qui était mariée avec un Kohen qui était Safek Halal. Hein? On a reçu votre edut, Rabbi Yoshua, que vous permet, qu'on a permis cette femme-là de se marier avec un Kohen. Kibalnu edutrem. Avalmana ase, Share Gaza, Rabban Yochanan Ben Zakai, chez l'eau Léoshif Beldin Alkar. Rabban Yochanan Ben Zakai, il a été possé. On ne fait pas asseoir le bedin pour une question comme ça. Chez Kohanim, Shomim Lachem, les Rachek, Avalo, les Karev, que les Kohanim, ils vont écouter de cette femme-là, ils vont s'éloigner de cette femme-là. Ouais. Ils ne vont pas vous écouter. Ils écoutent pour s'éloigner d'une femme, ouais, mais ils n'écoutent pas pour se rapprocher d'une femme. Donc on ne va pas, hein, on va pas. Donc a priori, ouais, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a été gozer, hein, que cette femme-là, elle n'aurait pas le droit de se marier avec un Kohen. Ouais. Donc pourquoi tu. Donc d'après Rabban Gamliel, la femme, elle n'est pas néhémenette, alors que dans notre fa, quand dans notre Mishnah à nous, d'après Rabban Gamliel, la femme, elle est néhémenette. Je reprends. On reprend. Dans notre Mishnah à nous, Rabban, on avait une question entre deux Mishnayot pour Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua. On a répondu, c'est pas la même chose. Hein? Maintenant, tu avais une question sur Rabbi Yoshua, tu n'avais pas la même question sur Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, dans notre Mishnah à nous, il dit que la femme, elle est néhémenette, que si jamais elle dit que c'est un Kohen, alors en effet, c'est un Kohen. Ouais, on la croit qu'elle a eu une relation avec un Kohen et qu'elle a été enceinte avec un Kohen. Tandis que dans le cas de Almanat Issa, où la femme elle avait un safek si elle était mariée avec le Kohen, avec un Kohen halal, elle avait un safek, elle était mariée avec un Kohen, mais on avait un safek s'il était halal ou pas. Dans ce cas-là, Rabban Gamliel il a dit Enane Emenet. Tout d'un coup, elle n'est plus kshera pour la Kehuna. Donc, c'est la même couchée que tu avais sur Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua. C'est la même couchée sur Rabban Gamliel. Ouais. C'est bon? Okay. Et là, Marava, et donc Rava, il explique les deux styrotes, des Rabban Gamliel à des Rabban Gamliel, l'Okashem, à Tam Bari, à Hashema, là-bas, il est Bari, il est sûr, hein? C'est quoi? Qui est sûr? La femme, elle est sûre, dans le cas où elle est enceinte, elle est sûre, elle a dit, moi, je suis sûr que lui, c'était un Kohen, hein? Donc, c'est pour ça que, d'après Rabban Gamliel, Némenet, on la croit. Tandis que, ici, dans le cas de la Almanat Issa, dans la veuve qui était mariée avec un Safek Halal, Safek pas Halal, c'est un schéma, c'est pas sûr. Peut-être qu'il est Halal, peut-être qu'il n'est pas Halal, même si elle a vérifié, on n'est pas sûr. Et c'est pour ça que Rabban Gamliel, dans un cas, il permet, dans un cas, il ne la croit pas. Mide Rabbi Yoshua, de Rabbi Yoshua, Nami Lokashia. Et de Rabbi Yoshua, la marloquette qu'il y avait entre Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua, c'est pas non plus, il n'y a pas de contradiction. Atam, Chat Sfeka. Achat Resfeke. Donc là-bas, dans le cas de la femme Meuberet, on a un seul safek. Ouais. C'est quoi le safek? Est-ce que c'est un Kohen ou c'est pas un Kohen? Tandis que là, c'est deux safek, deux svekot. Ouais. Le premier safek, c'est un Kohen, il devient halal comment? Si la mère, si les parents, ils ont eu une théoriquement, par exemple, une divorcée qui se marie avec un Kohen. Alors les enfants, ils sont halal, et le Kohen aussi, il est halal. Donc il y a deux safek. Ou les parents, ils ont eu un truc pas correct, ouais. Et en plus de ça, le deuxième safek, peut-être que le Vlad, il est nolad d'un... Donc si déjà, il y a un safek chez les parents, alors le deuxième safek, il est chez l'enfant. Donc là, là-bas, on a, d'après Rabbi Yoshua, on a un seul safek. Ouais. Et donc, si on a un seul safek, on ne permet pas. Tandis que dans le cas de... Almanat Issa, hein, Rabbi Yoshua est permis parce qu'il y a un double safek. C'est un safek. Ouais. La Gemara continue, elle dit comme ça. Ilkar, les Rabban Gamliel, Alim, les Bari, d'Afilou Bechat Sfeka, Nami Marchir. D'après Rabban Gamliel, quand j'ai un safek et qu'elle est sûre que cette femme-là, elle est sûre qu'elle a été avec avec un Kohen, ouais, ou un quelqu'un de Kacher, alors, c'est plus fort, le Bari, il est plus fort que le Safek. Ouais.
La Tana qu'elle dit, je suis sûr que c'était un cache, qu'il était caché, hein, il est plus fort que le Safek, d'après Rabban Gamliel. De qu'il l'est chez Made Afilou Besfek Sfeka, Nami Pasil. Et dans un cas de Sfek Sfeka, hein, étant donné qu'elle n'est pas sûre, parce que dans le cas du Sfek Sfeka, c'est quand, avec Almanatissa, hein, un Safek, si le Kohen il est Pralal ou pas, c'est un Sfek Sfeka. Hein, et malgré tout, il ne permet pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sûre. On est schéma. Ouais, et dans ce cas-là, il n'est pas saoul. Il ne permet pas Rabban Gamliel. Les Rabbi Yoshua, Alim Lechat Sfeka, Dafil ou Bebari Nami Pasin. Tandis, par contre, pour Rabbi Yoshua, même si elle est sûre, avec, quand il y a un seul Safek, il ne permet pas. Dafil ou Bebari, même si elle est, s'il est sûr, ce n'est pas saoul. Mais qu'il l'est, Safek Sfeka. Par contre, quand il y a un Sfek Sfeka, où c'est plus Kaal, Dafil ou Shema Nami Marchir. D'après Rabbi Yoshua, d'après Rabbi Yoshua, étant donné qu'il y a un Sfek Sfeka, même si elle n'est pas sûre, alors on lui permet, on la rend cachère pour se marier avec un Kohen. C'est bon jusque-là? Très bien, on continue. Maintenant, on va voir une braïta, hein, sur le sujet. Tanou Rabbanan. Et Zoï Almanat Issa, c'est quoi une femme qui est Almanat Issa? C'est quoi une Almanat Issa? On a dit, c'est une Almana, on a un Sfek si le mari, il était Kohen Halal ou pas. Ouais? Donc, ça, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Maintenant, la Braïta, elle va traiter du sujet. Donc, d'après Tanakama, le Tana de notre Mishnah, de notre Braïta, Kol She'en Ba Lo Mishum Mamzerut. Il est halal, tout ça, sinon, c'est le même. Halal. Kol She'en Ba. Safek halal. Donc, on avait un Safek qui a été Megouré chez elle. Non, non, Safek halal. La madame Safek halal. Pour sa descendance, elle est Safek halal pour sa descendance. C'est le cas. Safek halal. L'enfant, il est Safek halal. Donc, si jamais elle se marie, bah, ça ne change pas, ça change pas grand-chose. Il ne reviendra jamais, Kohen Badaï. Ah non, jamais. Alors, on sera toujours là à Armir. Ça dépend. Ça fait halal. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. D'après Rabbi Yoshua, là, on le permet. On la permet à elle de se marier avec un Kohen, alors que c'est un Safek. Mais pas Armir, on est Mikel d'après Rabbi Yoshua. Mais elle, pas de problème, elle. Un Kohen, il peut se marier avec n'importe qui. Ah, parce que non, mais elle était mariée. Elle était mariée. Si elle était mariée. Oui, mais c'est pas son fils, non? Son fils à qui? Si elle a un fils, il va naître. Ah, il reste avec Khalal. Voilà. Mais si elle se marie avec un autre Kohen. Voilà, elle peut être à Ken maintenant, elle descendra que des Kohen. Maintenant, elle aura des Kohen. C'est donc un Kohen idiot, on a dit, déjà. Pourquoi? Pas un Kohen Gadol. Pas un Kohen Gadol. Pourquoi pas? Elle ne pourra pas se marier avec un Kohen Gadol. Ah non, ça, c'est sûr. Non, de toute façon, une Almana, elle ne peut pas se marier avec un Kohen Gadol. Mais son fils, il peut être Kohen Gadol, il n'y a pas de raison. Son fils à elle. Deuxième mariage. Très bien. Donc maintenant, la question, elle va être, c'est quoi Almanat Issa, hein? Donc, le premier avis dans la Braïta, Kol She'en Ba Lo Mishum Mamzerut, il n'y a pas de chachage de Mamzerut. Mais Lo Mishum Netinut, il n'y a pas de chachage. Mamzerut, c'est. Ouais, par exemple, quand il y a une relation interdite, l'enfant il est mamzer. Hein, quand il y a une relation interdite, Mishum Karet, on avait dit, alors l'enfant il est mamzer. Donc il n'y a pas, c'est pas ce rachash-là. Il n'y a pas un safek qu'il est mamzer ou pas. Il n'y a pas un safek qu'il est natin. Natin, c'est une genre, c'est une conversion qui n'a pas été correcte. Hein. Mais là, Mishum Abde Melachim, et il n'y a pas un safek qui était un éved, un serviteur, hein, de roi. Amar Rabbi Meir, donc ça c'est d'après ça. D'après le Tanakama, c'est aucun rapport avec le halal ou pas. Hein. Ça fait halal ou pas. Hein. Amar Rabbi Meir nous dit. Alors, on va. Rabbi Meir nous dit. Shamati kol she'en ba echad mikol elu. Masihin le keuna. Rabbi Meir nous dit que tout ce qui n'a pas un des trois, on peut le marier avec un Kohen. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit. Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir. Et aussi Rabbi Shimon ben Menasseh dit comme ses paroles. Et Zori Almanatissa, c'est quoi une Almanatissa? Kol Shenitma Ba Safek Halal. Tout celui qui a un Safek s'il est halal ou pas, Makirin Israël, Mamzerim chez Benéhem. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, ils connaissent. Pour l'instant, je traduis simplement et la Gemara va expliquer parce que ce n'est pas très clair la Braïta. Hein. Makirin Israël, les Juifs, ils connaissent tous les mamzerim qui sont chez eux. Hein. Donc, ils font une enquête sur tout ça. Hein. Par contre, un safek halal, alors ils ne connaissent pas très bien. Hein. Ils ne sont pas très au courant. C'est pour ça qu'il peut y avoir des cas de safek halal
Ouais, mais par contre, des cas de Safek Mamzerim, ça n'existe pas. D'après le dernier Tana de notre Mishnah. De notre Braïta, pardon. Donc là, la Gemara va expliquer la Braïta. À Marmor, d'après la Braïta, ouais, que tu viens de me dire. De quoi elle parle, la Mishnah, ouais, de la Braïta. Ah, halal, kasher. Donc, si jamais un safek halal, c'est kasher. Elle peut se marier, la almana de ce halal-là. Elle peut se marier avec un kohen. Hein? Maishna anar. C'est quoi la différence entre eux? C'est quoi eux? Mamzerut, netina, netin, ouais. Et abdemelachim. Maishna anar de Braïta. Eux, ils sont de Oraïta. Mamzer, c'est de Oraïta. Natin, c'est de Oraïta. On n'a pas le droit de se marier avec eux. Ouais. Donc, c'est un safek de Oraïta. A priori, c'est un kumra. Halal nami de Oraïta. Un kohen halal, il est aussi de Oraïta. Alors, s'il y a un safek halal, il ne devrait pas être marié. De la même manière que le même safek mamzer, il ne peut pas se marier. Une femme qui était mariée avec elle, elle ne peut pas se marier avec un. Elle peut pas se marier après avec un kohen. Alors, un halal non plus, si on a un safek, étant donné que c'est de Oraïta. Alors, l'almana, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen aussi. Donc, cette première question sur la Braïta, sur Tanakama. C'est bon, la première question? Ouais. Deuxième question sur la Braïta. Vetou. Et en plus, Amar Rabbi Meir, sur ce qu'il a dit Tanakama, Rabbi Meir, il rajoute, Shamati kol she'enba echad mikol elu, masim le keuna. Donc, d'après Rabbi Meir, il dit que si jamais, j'ai entendu que si jamais il n'avait pas un des trois que Tanakama il avait dit, alors on peut le marier, on peut marier sa veuve-là à un Kohen. Haïnu Tanakama. Donc Rabbi Meir et Tanakama, c'est la même chose. Hein? Donc il n'y a pas de ridouche dans Rabbi Meir. Et donc c'est pas, ça n'a pas l'air d'être ça. Vetou. Et encore une troisième question. Hein? Rabbi Shimon ben Elazar, il nous dit Omer Mishum Rabbi Meir. Donc troisième avis de la Braïta. Hein? C'est quoi l'almanatissa? Kol shenitma ba safek halal. Tout ce qui a un safek halal. Makirin Israël mamzerim shebehneem. Ben makirim halalim shebehneem. Da amar trecha halal kasher. Au début, tu m'as dit au nom de Rabbi Meir que halal c'est kasher. Maintenant, tu me dis que halal c'est pas soul. Si jamais la femme elle est mariée avec un halal, safek halal, alors elle ne pourra pas se marier avec un kohen. Il faut savoir. Hein? Donc, trois questions on a sur la braïta. C'est clair? Très bien. On va commencer de répondre. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il nous dit Mamzer Soveach Vechalal Shotek Ika Benayu. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi un Mamzer Soveach? Si jamais quelqu'un il dit à un homme, il lui dit tiens, Mamzer, hein? Alors, hein? Il va s'énerver. Si il s'énerve, alors ça montre que y a pas, c'est pas vrai. Ouais? Il n'est pas Mamzer. Si c'est n'importe quoi, c'est l'homme qui fait le. C'est dans la psychologie de l'être humain. Mais là, tu as l'air de dire que. Bon, on va voir. Hein? C'est quoi, on va voir. Il a été bougé, apparemment. Si c'est n'importe quoi, c'est qu'il a été bougé. Ils se sont consacrés. Il ne veut pas laisser. Quelqu'un qui dit rien, ouais. Alors, théoriquement. Je dis quoi, ouais. S'il dit rien, ça veut dire qu'il accepte. En général, ouais. C'est pas plus le truc de tolérer Tel Benima. Mais c'est là. Non, c'est là. Tolérer Tel Benima, ça ne veut pas dire d'accepter tout ce qu'on lui dit. Hein. Ça veut dire de ne pas réagir. Ça veut pas dire de ne pas s'énerver. Hein. C'est le droit de dire que ce n'est pas vrai. Hein. C'est le droit de dire que ce n'est pas vrai. Mais sauver. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Hein. C'est le droit de dire que ce n'est pas vrai. Et d'abord, ça veut dire tolérer Tel Benima. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il fait tenir sur ça. Mais pas quand on met en doute sa judaïcité, hein. Quand il met en doute sa judaïcité, ne pas réagir, hein. Pas de fumer sans feu en général, hein. Donc si pas de fumer sans feu, comme ça, c'est que yes, mais c'est Banadon. Bien, on va voir. J'accepte tes remarques. On va voir ce qu'il dit avec moi. Amar Rabbi Yochanan, Mamzer Tzoveach Vechalal Shotek Ika Benayu. Halal Shotek, c'est-à-dire on dit à cette personne-là, on a un sapek sur un vin et on lui dit il est halal, et là il dit rien. Il se tait. Ouais. C'est quoi le din? Ika benayu, c'est ça la différence entre les trois Tanaïm de notre Braïta. Hein? Tanakama savar, Tanakama y pense, kol pesoul, dekaroulé veshatik, pasoul. Donc si jamais on le traite de quelque chose et il se tait, d'après Tanakama, il est pasoul. C'est-à-dire qu'il est vraiment. Il est vraiment. C'est comme moi. Non, c'est Shtika Keoda. Toi, tu as dit le contraire.
Toi, tu dis tolérer tel béhima. D'après Tana Kama. Là, qu'est-ce qu'il dit là? Il a dit si les chotèques. Si les chotèques, il est pas saoul. Il a une chadaka. Enfin, une chadaka. On lui met une étiquette qu'il est pas saoul. Et Achi Kama. Comme ça, il faut lire la Braïta. Ezo, il est Tana Kama. Il dit comme ça. Ezo, il est Almanatissa. C'est quoi une Almanatissa? Kol Shien Ba, Lochtouk Mamzerout, Velochtouk Netinout, Velochtouk Avde Melachim, Velochtouk Halal. Donc, d'après Tanakama, il rajoute halal. Hein, il rajoute le mot shtouk. Que si jamais on les a traités de. Et ils ne se sont pas tués, ils ont réagi. Dans ce cas-là, ils ne sont pas passoul. S'ils se sont tués, ils sont passoulés. D'après Tanakama. Mais qui là? Parce qu'on parle de Almanatissa, donc c'est la mère. C'est pas le Vlad. Almanatissa, sur c'est la mère. La mère. Si son ex-mari, son mari qui est mort, ouais. Si son mari qui est mort, on lui a dit t'es halal, t'es mamzer, ou t'es natin, ou t'es évêque. Non, au père, celui qui est marié, à l'ex-mari. Ouais. Pourquoi au fils? À l'ex-mari. Ouais. Si on lui dit t'es mamzer, t'es natin, t'es évêque, ou t'es halal, et qu'il dit rien, alors il n'est pas sous. Et donc on ne permettra pas sa femme. S'il réagit, alors dans ce cas-là, sa femme, on la permettra, son ex-femme, ouais, on la permettra de se marier avec un kohen. C'est bon? Ça, c'est Tanakama. Non, on se base sur le comportement du bonhomme. Du bonhomme, oui. C'est même. Le Kamar, le Rabbi Meir. Et sur ça, Rabbi Meir, il a réagi et il dit comme ça. Hanar, ou de kapasil le bakaan, aval chatouk halal, kacher. Donc, eux, tu les as interdits. Eux, ils sont interdits de venir bekaal, ouais. Mais non. Donc, eux, les trois premiers, je suis d'accord, ouais. Rabbi Meir est d'accord. Mais le chatouk halal, lui, c'est bon, on l'accepte. Ouais. On reprend. Rabbi Meir, Kamar le Rabbi Meir, Hanar, ou de kapasil le bakahal, aval chatouk halal, kacher. Pourquoi? Parce que, en shtikato kyoda, la de chatik, mishum de loer patle, comme tu as dit, hein. C'est loer patle qu'on dise qu'il est halal ou pas halal. Il n'y a pas de nafkamina. Ouais. Kamar le Rabbi Shimon ben Elazar, les Tanakama de Rabbi Meir, et Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit à Tanakama de Rabbi Meir, Nish mialach de marchir Rabbi Meir beshtika, lo de karoule halal veshatik, et là de karoule mamzer veshatik. Non, il n'est pas d'accord sur halal, ouais. Il est d'accord sur mamzer, que si jamais il s'est tué sur mamzer, alors, et qu'il n'a rien dit, alors dans ce cas-là, on ne dit rien. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit, veaï beshatik, savoir mamzer kala. Parce que le mamzer, les gens, ils connaissent. Hein? Ils ont vérifié, tout le monde connaît. Tout le monde sait qui est mamzer, qui n'est pas mamzer. Aval, mamzer vetsolea, halal vetsotek, pasoul. Si jamais il est mamzer et écrit, ou alors il est halal et il saute, c'est pas tout. C'est pas soul. Il est acheté. Et ça va, ouais. Et pourquoi il s'étude? Ça va, mistaye, de l'homme apkele, mikahal. Parce qu'il pense que étant donné qu'on ne le sort pas du minakahal, alors ça suffit pour lui. Ouais, on parle du halal, ouais. Halal, on ne le sort pas du kahal, ouais. Il peut se marier, il peut truquer, mais il est halal, il n'est plus kohen. Ouais. Étant donné qu'on l'appelle halal, alors il n'y a pas de nafkamina, ouais, pour lui. Tanechada, on continue. Tanechada, on a une braïta qui nous dit comme ça. Rabbi Yossé Omer, shtouk mamzer kacher. Celui qui dit qu'on lui dit que mamzer, il se tait, il est kacher. Shtouk halal pasoul. Si on dit qu'il est halal, il est pasoul. Et Tania Idar, on a une autre braïta qui dit complètement l'inverse. Shtouk halal kacher. Celui qu'on lui dit qu'il est halal, il est kacher. Shtouk mamzer pasoul. Celui qu'on lui dit qu'il est mamzer, il est pasoul. La Gemara dit la kacher. Ce n'est pas une contradiction entre les deux braïtotes. Ha, Tanakama, le bas de Rabbi Meir. Là, c'est Tanakama au nom de Rabbi Meir. Que Shtouk halal, il est kacher. Ha, Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, ouais, Ali Bad et Rabbi Meir. Et là, c'est Rabbi Shimon ben Elazar au nom de Rabbi Meir. Donc, il y a deux Tanaïm au nom de Rabbi Meir. Et un, il dit que le Shtouk Halal, il n'est pas soul. Et l'autre, il dit que le Shtouk Halal, il est kacher. Et inversement pour le Mamzer. C'est clair ou pas jusque-là? Plus ou moins. Hein? Plus ou moins. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, ce qui est important de retenir dans ces Tanaïm, c'est qu'il y a un Tana qui nous dit que le Mamzer. Alors, étant donné qu'il y a un col, que les gens ils vont parler et qu'ils savent, donc c'est sûr que les gens ils n'ont pas besoin d'après. On a une référence. On a une référence. Ouais, donc il n'a pas besoin de s'énerver le type. Même s'il s'énerve pas, c'est pas grave. Il fait confiance à ce que les gens ils vont chercher. Tandis que le halal, s'il s'énerve pas, alors qu'on dirait qu'il est shtika keoda,
Et comme il dit rien, alors on va comprendre qu'il est oui pasoul. Ça, c'est d'après le deuxième avis, Rabbi Shimon ben Elazar au nom de Rabbi Meir. D'après Tanakama au nom de Rabbi Meir, c'est le contraire. Hein. Si jamais un shtouk mamzer, il est mamzer. Hein. Il dit rien, il est mamzer. Tandis que le halal, alors un shtouk halal, on le croit, mais on lui fait confiance qu'il n'est pas halal. C'est bon jusqu'à la Mishnah, plus ou moins, c'est ça la braïta. Hein. Très bien. La Mishnah, elle continue et elle dit comme ça. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il nous dit. Il y a une histoire avec une tinoquette, ouais, un bébé, chez Arda les Malot Maïm, un bébé, un enfant, ouais, un enfant qui est descendu de puiser de l'eau, Mina Aïn. Aïn, c'est un fleuve, hein, un Maïan. Veneinsa, et là-bas, elle a été violée. Ouais. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit Imrov Anchea Ir Masi'in le Keuna. Si jamais la majorité de la ville, ils sont cachers pour se marier avec un Kohen. Ouais. Donc, on parle du violeur, ouais, donc on parle des hommes. C'est-à-dire que si jamais leur enfant, ouais, on parle des hommes, si jamais les hommes qui sont des potentiels violeurs, ouais, si la majorité des hommes, ils sont kécherim pour la Keuna, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais ils ont... Non, ça veut dire que si jamais... Ils meurent par exemple, alors leur femme, leur veuve, elle peut se marier avec un Kohen. Ou alors, si jamais leurs enfants, ils ont des filles, elles peuvent se marier avec un Kohen. Alors, cette femme-là qui a été violée, cet enfant, elle peut se marier avec un Kohen. D'après Rabbi Yossé. Ouais. Alors, si jamais le rov n'est pas cachère, par exemple, c'est des khalalim, par exemple, des Kohanim. Les Kohanim qui sont halal. Non, mais ou alors... il peut ne pas se réjouir dans la ville, c'est par rapport avec Jean-Pierre. On va d'après le Rav. La Mishnah nous dit on va d'après le Rav. Rabbi aussi nous dit on va d'après le Rav des gens de la ville. Si le Rav des gens de la ville ils sont cachers, alors on peut la marier avec un Kohen. Amar le Rava le Rav Nachman. Rava il dit à Rav Nachman. Rabbi Yochanan ben Nouri. Il y aura une petite voix de sang, alors il n'y a pas de sang. Comme une Almana. C'est vrai. Amar le Rava le Rav Nachman. Rabbi Yochanan ben Nouri, d'Amar, Keman, comme qui l'a dit Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est qui? C'est Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, on va d'après le Rav. Hein? Donc, comme qui l'a dit? I, que Rabban Gamliel, si on dit qu'il a dit comme Rabban Gamliel, que Rabban Gamliel, il a dit, on est né man, ouais. D'après Rabban Gamliel, dans toutes les Mishnah qu'on a vues avant, on a dit que Néhémenet, la femme, de dire qu'elle a eu une relation avec quelqu'un qui cachait. Hein? A filou berov tsulin l'ami marchien. D'après Rabban Gamliel, on devrait la permettre, même si le rov des gens de la ville ne sont pas saouls, alors on devrait la permettre, cette femme-là, de se marier avec un Kohen. Mais il, Rabbi Yoshua, et si il a dit comme Rabbi Yoshua, a filou berov tsherin l'ami passin. Et si on dit comme Rabbi Yoshua, qui dit qu'on ne fait pas confiance à la femme, alors, même si la majorité des gens de la ville ils sont cachers, on ne va pas permettre cette femme-là de marier avec un Kohen. Donc, comme qui l'a dit Rabbi Yochanan ben Nouri, Amarle, Achi, Amar Rabbi Yuda, Amar Rav. Ainsi a dit Rabbi Yuda au nom de Rav. Bikronot shel tzipuri aya amase. Le maase, le cas, il s'est passé dans les chronot, les marchés de Tzipori, la ville de Tzipori. Vekede Rabbi Ami, et comme Rabbi Ami. D'Amar Rabbi Ami, parce que Rabbi Ami, il a dit, Veu, chez Aïta, Sia, il y avait une Chaboura, un groupe de personnes, chez Bnei Adam, Kcherim, Overet Lesham, qui étaient par là-bas, c'était des gens Kcherim. Et que d'Amar Rabbi Yanaï, Nivelet, Bikronot, Kcheral et Keuna. Si jamais elle a été violée dans les Keronot, dans le marché, elle est Kcheral et Keuna. Bikronot, c'est le cas d'Atar. Quoi, vraiment, elle a été violée dans le marché? Quoi, non, non. Et là, Nivaelet, Bishat, Kronot, elle a été violée au moment où il y avait les marchés, à l'heure des marchés, mais pas au marché. Keshera le Keuna, elle est Keshera le Keuna. Aval. Et donc, maintenant que la Gemara, elle a dit que on a expliqué ce qu'il dit Rabbi Yanaï, Aval Perech Echad Mitsipori, mais si jamais il y en a un de Tsipori qui est parti ou Baal et qui a été
de la ville de Tsipori, apparemment, ils n'étaient pas Kshérim le Kouna, et il a violé cette femme-là, Avlat Shtouki, le Vlad, il est Pasoul, il est Shtouki, si jamais elle est enceinte. Bah, on a, il est en âme, amen, amen. Des questions?